Que la grâce et la paix de Dieu soient notre partage. Jusqu'à ce que nous puissions prendre nos places. Et que la grâce et la paix de Dieu soient nous déclarons la parole de cette année. Nous avons pas pour le bambou là-haut. Ensemble, est-ce que nous pouvons aller? Et le mieux pour le faire, Yango. Mais je sais que mon rédempteur est vivant. Et le Seigneur verra le dernier sur la terre. Amen. Amen. Que le rédempteur se lève dans votre vie en ce moment. Amen. Amen. Nous sommes dans Daniel chapitre 9. Nous allons regarder Daniel 9. Vous pouvez lire tout le chapitre à la maison. Mais je vais prendre quelques extraits de ces passages qui vont nous servir encore ce matin. Je commence au premier verset, la Bible dit ceci. Amen. La première année de Darius, fils d'Assyrius, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi Daniel. Qu'est-ce qu'il ne voit pas avec David? Moi Daniel, j'ai vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Moi Daniel, je fis quoi? J'ai vu. Moi Daniel, je fis quoi? J'ai vu par les livres. J'ai vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem d'après les nombres des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications. En jeûnant et apprenant les sacs et la cendre, je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment, qui observent tes commandements, je saute sur verset 17. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et par l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous présentons, que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas par amour pour toi, ô mon Dieu. Car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. J'ai parlé encore, verset 20. Et j'ai présenté mes supplications à l'Éternel mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. J'ai parlé encore dans ma prière, quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir, il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, lorsque tu as commencé à faire quoi? Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Amen. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie du trône de Dieu. Et moi, Gabriel, je viens pour
te l'annoncer. Amen. Amen. Néhémie chapitre 1er. Vous pouvez lire les deux premiers chapitres à la maison, mais je prends quelques cinq versets du premier chapitre. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Amani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, lorsque je fis quoi? J'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, je fis plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, vous pouvez continuer la suite à la maison. Amen. 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 Bon appétit. Bon appétit. Comment comprendre et saisir les fardeaux pour l'intercession? Ou comment comprendre que Dieu vous appelle à intercéder? Tel est le sujet que nous allons partager encore en ce matin. Mais avant d'aborder notre sujet bien-aimé, je vais faire un nouveau point sur deux concepts. Premièrement, sur les concepts, en fait, les deux concepts sont liés. Il y a la prière et il y a l'exaucement. Premièrement, la prière, comme nous le connaissons et le savons tous, c'est parler avec Dieu qui est notre Père. C'est une conversation que nous établissons avec notre Père. C'est un dialogue entre un fils et son papa. Et lorsque nous parlons de la conversation, lorsque nous parlons du dialogue, c'est qu'il y a deux personnes en présence qui parlent. Quand moi je parle à mon père, cela s'appelle la prière. Amen. Et quand Dieu me parle, cela s'appelle l'exaucement. C'est-à-dire, moi je parle à mon père, et mon père aussi me parle. Et la prière, lorsque nous consultons la parole de Dieu, elle peut revêtir plusieurs formes. Premièrement, la prière révèle la forme d'adoration. C'est-à-dire, nous rendons un culte à notre Dieu. Nous vénérons, nous admirons notre Dieu. Nous estimons, nous respectons notre Dieu. Bref, nous disons à notre Dieu ce qu'il est. La prière peut revêtir la forme de la louange. C'est-à-dire, nous célébrons, exaltons et glorifions notre Dieu. Peut revêtir la forme de la reconnaissance. Ou des actions de grâce. C'est-à-dire, nous sommes en train de reconnaître les bienfaits de Dieu dans notre vie. Vous savez, ces trois formes de prière dont je viens de parler, le centre, c'est Dieu.
Et généralement, ces trois formes de prière n'ont pas de frontières entre elles. C'est-à-dire lorsqu'on adore ce Dieu, et on ne se rend pas compte qu'on a commencé déjà à louer ce Dieu-là. Et on ne se rend même pas compte qu'on a commencé à dire, en fait, à reconnaître les biens de ce Dieu-là dans notre vie. Et ces trois formes de la prière sont l'apanage de tout celui qui se reconnaît comme enfant de Dieu. Amen. Amen. Selon Jean chapitre 1er, le verset 12e, Jean 1er, la Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc tout enfant de Dieu peut adorer Dieu. Tout enfant de Dieu peut louer Dieu. Tout enfant de Dieu peut reconnaître les merveilles de Dieu dans sa vie. Au-delà de cela même, lorsqu'on parle de la louange, lorsque nous consultons les psaumes 150, les psaumes 150 vont au-delà de cela. C'est-à-dire la louange n'est pas réservée seulement aux enfants de Dieu, mais à tout celui qui se reconnaît comme créature de Dieu. N'est-ce pas ça? La Bible dit que tout ce qui respire, l'Éternel, c'est-à-dire celui qui peut faire cette action, il a la responsabilité de faire quoi? De louer le Seigneur. C'est-à-dire la Bible brise encore la frontière. C'est-à-dire si toute créature de Dieu, si l'arbre, les animaux, dont la science nous enseigne, respire, doivent louer Dieu, à combien plus forte raison pourrait-il le faire? C'est moto. Ça ne demande pas une condition particulière. Mais la Bible nous convie tous à prier. Ça veut dire à adorer, à louer, à célébrer Dieu, à reconnaître le merveilleux de Dieu dans notre vie. La prière à la lumière de la parole de Dieu peut prendre la forme de requêtes ou de demandes. C'est-à-dire parler à Dieu de nos besoins. Parler à notre Père de nos attentes. Et Dieu prend plaisir de répondre à nos besoins. Aux besoins de ses enfants. Tel que tu le fais pour tes enfants. Dieu le fait aussi pour toi parce que tu es son enfant. Son plaisir est de répondre aux besoins de ses enfants. Pourquoi cela afin de rendre leur joie parfaite, nous dit la parole de Dieu. C'est une prière qui est réservée à tout enfant de Dieu. Fais connaître vos besoins à Dieu par la prière. Paul nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par quel canal? Par le canal de la prière. Et la forme que rêve ce modèle de prière, la prière de demande ou de requête. Jésus-Christ a dit, jusque-là, vous n'avez encore rien demandé. Demandez, il vous sera donné. Afin que votre joie soit parfaite. Ouais, c'est l'apanage de tout enfant de Dieu. La prière peut revêtir encore la forme d'intercession. Ce qui fait l'objet de notre étude. Intercéder, c'est plaider. Intervenir en faveur d'une autre personne. Et cette intervention, vous le faites auprès d'une personne que vous connaissez très bien. C'est-à-dire, d'une part, il y a Dieu qui a la solution à tous nos problèmes. Et d'autre part, il y a l'homme qui est dans le besoin, qui a des problèmes. Et à l'intérieur, il y a vous, intercesseur. Vous connaissez bien ce vers qui vous allez demander. Et vous connaissez
vous vous revêtez de son problème et vous allez vers celui qui a la solution, vous plaidez en sa faveur afin que la solution vous soit accordée. Ce qui implique que l'intercesseur n'est pas n'importe qui. C'est-à-dire qu'il doit bien connaître la personne qui a la solution. Et la personne qui a la solution doit bien le connaître. Je sais pas si je me fais comprendre. Amen. Amen. Il doit bien connaître. C'est-à-dire, si moi, je veux plaider par exemple Japhet auprès de Papa Joseph, je dois bien connaître Papa Joseph. Papa Joseph doit bien me connaître afin de faire trouver à Japhet la grâce dont je suis en train de dire. Amen. Amen. Et pour être intercesseur, la condition première, c'est tu dois être enfant de Dieu. Mais tu ne dois pas seulement être un enfant de Dieu simple, entre guillemets. Au-delà d'être un enfant de Dieu, c'est-à-dire, quand je parle d'être un enfant de Dieu, je rentre dans Jean chapitre 12. Tu as crié à la parole de Dieu, tu as crié à l'œuvre accomplie par Jésus-Christ sur la croix. Tu es sauvé, tu es appelé enfant de Dieu. Mais au-delà de cela, pour être intercesseur, tu dois répondre à d'autres critères. Tu ne dois pas être un enfant de Dieu ordinaire. Amen. 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 Et la prière peut revêtir encore la forme de la supplication. Prier avec un sens. Implorer Dieu. Et la supplication peut s'appliquer dans les requêtes ou dans l'intercession. Pendant on fait la prière de requête ou de demandes, traverser les frontières pour arriver à la supplication. Même pas dans l'intercession. Et c'est comme ça, vous voyez, que ce soit Daniel, que ce soit Néh. Lorsqu'il dit, il recourt à la prière et aux supplications. Mais la forme de la prière dans laquelle il recourt, c'est l'intercession. Parce que l'intercession ne voit pas ses besoins en soi. C'est-à-dire, ne tourne pas ses regards sur soi-même. L'intercession tourne les regards vers les autres et vers la cause de Dieu. Amen. Amen. Le deuxième concept sur lequel je vais mettre au point, c'est l'exaucement. L'exaucement, c'est en fait satisfaire à une demande quelconque. Répondre à la prière. Lorsque Dieu répond à notre prière, nous disons que Dieu nous a exaucés. N'est-ce pas cela? Et la question que je pose en ce matin, est-ce que Dieu exauce-t-il? Qui croit que Dieu exauce? J'ai demandé qui croit que Dieu exauce. Amen. Amen. Qu'il exauce les vœux de ton cœur. Et la deuxième question que j'avais en ce matin, comment Dieu exauce? Qui peut me dire comment Dieu exauce? Oui, papa. Et là, c'est encore théorique.
J'aimerais de la pratique qui peut me dire comment Dieu exauce. Qui a déjà été exaucé par Dieu, qui peut me dire comment Dieu exauce. Je ne vois pas. Oui, maman. Oui, par des prières et des supplications, mais comment il exauce? Comment Dieu t'a exaucé? Oui, maman Claudine. Oui, lorsque tu as la foi. Quand on a condiment. Oui, ça ne suffit pas. Mais comment Dieu exauce? Pratiquement, comment tu sais que Dieu t'a exaucé? Oui, maman Thérèse, lorsque je vois la chose. Amen. Amen. Lorsque j'entre en possession de la chose, c'est ça l'humanité en fait de l'homme. Il peut comprendre que Dieu l'a exaucé lorsqu'il entre en contact de la chose ou de l'attente qu'il avait de Dieu. Mais j'aimerais que vous puissiez retenir ceci encore en ce moment. Cela tout au long de votre marche étant qu'enfant de Dieu. Dieu nous répond de plusieurs manières. Dans l'humanité de l'homme, il comprend que Dieu l'a répondu lorsqu'il est en contact. Et plusieurs, souvent c'est en contact physique avec l'homme. Dieu, je disais, nous exauce de plusieurs manières en allant dans le même sens de notre prière. C'est comme ce que nous venons de répondre, comme ce que Maman Thérèse a dit. Lorsqu'il va dans le même sens de notre prière, mais une autre manière de l'exaucement de Dieu. Dieu peut nous exaucer en allant en opposé de nos prières. Ça, c'est ce que l'homme n'accepte pas. C'est ce que l'homme ne comprend pas. Et troisièmement, Dieu peut nous exaucer en gardant silence. En gardant silence. On a demandé, on a prié. Mais il garde silence. Il a battu le kimia. Mais l'homme dans sa nature, tout homme, sans exception, considère l'exaucement de Dieu que lorsque Dieu va dans le même sens. Ou dans le sens positif, dans le sens de son attente, de sa prière. Et c'est là souvent qu'il y a erreur, où il y a problème du chrétien en général. C'est là il y a les problèmes. Et il n'y a que les vrais adorateurs et les intercesseurs qui saisissent les autres sens ou les autres indications vers lesquelles Dieu va pour exaucer. Pourquoi je dis les vrais adorateurs et les intercesseurs? Parce que c'est une spécificité ou c'est une qualité rare de personnes que Dieu cherche. Tout le monde peut adorer Dieu, mais tout le monde n'est pas vrai adorateur. Est-ce que je me fais comprendre?
Dieu cherche les vrais adorateurs. Dieu cherche l'intercesseur. Un homme qui se tient à la brèche. Un homme qui élève les murs. Ce ne sont pas simplement des enfants de Dieu selon Jean 1 verset 12. Mais ce sont des hommes et des femmes qui ont grandi dans la connaissance de l'Seigneur. Des hommes et des femmes qui ont compris le fonctionnement des principes du royaume, qui saisissent l'exaucement de Dieu même dans les vides. Même dans les vides. Même dans les vides. C'est cette qualité des hommes et des femmes de la Seigneur. Et là, nous sommes en train de vous enseigner sur les principes et les valeurs de l'intercession. Afin que vous puissiez sortir de vos centres intérêts habituels, bien-aimés. C'est sortir de votre égoïsme spirituel qui ne consiste qu'à avoir vos propres besoins, qui ne consiste qu'à vous regarder vous-même, mais apporter l'intérêt vers les choses qui tiennent le cœur de Dieu, à se pencher vers la cause du royaume, à s'intéresser aux autres, et cela marche. Je vous ai dit le dimanche passé, l'intercession, c'est comme les données. Et quoi, en fait, c'est un don. Lorsque vous donnez, c'est la marche l'Éternel vous donne. C'est un principe. Dans Genèse, il a dit les principes de sémail. C'est un principe éternel. C'est-à-dire, ce que tu sèmes, tu le moissonnes. Celui qui donne s'enrichit. C'est un principe. Le monde, dans le physique, il voit que lorsque quelqu'un donne, il s'approprie. Et c'est ça la lecture de l'homme. C'est-à-dire, j'ai $100 dans mes poches. Lorsque je me dépouille, je donne à Papa Joseph, mes poches restent vides. Mais Dieu dit que je m'enrichis. Vous comprenez, c'est ça. C'est là la folie de Dieu. La folie de Dieu. Qui jette la confusion. Et tiens, Bolongani. Dans la logique, Papa Joseph qui reçoit les $100. C'est-à-dire, il s'enrichit de cet argent. Mais selon les principes de la Bible, celui qui reçoit s'appauvrit. Vous comprenez? Vous comprenez? On donne, on s'enrichit. On reçoit, on s'appauvrit. On dit ça. Vous comprenez? J'avais des amis musulmans. On voyageait avec eux. Je ne sais pas. Ils ont compris ce principe. C'est-à-dire, ils n'encaissent pas. Ils allaient le faire. C'est-à-dire, si je prends par exemple la bouteille d'eau là, je lui donne. Il ne prend pas seulement, prend les papiers mouchoirs là, lui prend quelque chose, il me donne. Comme ça. C'est plus tard quand j'ai commencé à m'approfondir sur ces aspects de données qui s'enrichissent
et de recevoir qui appauvrit, c'est là où j'ai compris ces principes. Et j'ai compris, mais je me suis demandé comment ils ont anticipé, ils appliquent ça, mais nous, enfants de Dieu, et c'est la pratique même dans notre pays. Mais on tient les bras ouverts comme ça. Donner. C'est un exemple pratique. Dans le pays des tiers mondes, nous ne sommes pas développés parce qu'on n'avait que les bras ouverts. Et le pays qui donnait là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont enrichis. Nous, on attendait seulement les subventions. C'est pourquoi on a un problème même dans la mission. Parce que tout, on recevait tous les dons. Même les tracts. Les dépliants pour faire les choses. On attendait. Ça devait venir. Et ceux qui donnaient s'enrichissent. Nous avons vu même des missionnaires venir à l'Arche de l'Alliance avec l'appui des enfants de l'école de dimanche de chez eux. Ils ont contribué. Ils ont envoyé les missionnaires. Des fois, c'est le département de la jeunesse. Comment on contribue, il soutient la mission. Pendant longtemps. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et le Seigneur m'a mis à cœur que nous puissions revenir juste sur une préoccupation. J'ai réfléchi encore sur ça. Que papa Raph nous a posé le mercredi. Parce que je suis en train d'insister, la prière de l'intercesseur n'échoue pas. Et je le confirme encore en ce moment. Pourquoi? Parce que j'ai des bases bibliques. Je n'ai pas vu un intercesseur rater son intercesseur. Et vous savez, pourquoi un intercesseur ne rate pas pourquoi? Je vous ai dit, je ne sais pas si vous avez compris, un intercesseur, c'est celui qui connaît bien la personne qui a des capacités pour résoudre les problèmes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il les connaît bien. Et cette autre personne qui a la capacité de résoudre les problèmes connaît aussi l'intercesseur bien. C'est là en fait le secret. C'est là où tient le secret de la réussite. De la prière de l'intercession. Et cette intervention de Papa Raph, c'est une intervention qui est riche. Et qui a fait régresser plusieurs. C'était, il y avait un cas qui était arrivé. Vous pouvez bien les traduire. C'est pourquoi il faut venir à l'étude biblique. Shalom, peuple des yeux. En fait, ma question portait sur un principe, une théorie que le pasteur a énoncé le mercredi. Disant que la prière d'un intercesseur n'échoue jamais. Amen. Alors, j'ai dit, que dites-vous, pasteur, par rapport à toutes nos prières, à toutes nos requêtes que nous avons eu à faire pour nos bien-aimés et nous avons vu le contraire? Et là, j'ai donné un exemple de là où je travaille. J'avais un cas d'un patient, d'une patiente qui était même médecin, qui souffrait d'un problème au niveau de son foie. Et au-delà du côté médical, nous nous sommes mis avec mon ami pour prier sérieusement pour ces cas.
nous donnions des médicaments et nous prions. Mais voilà que malgré nos prières, la consœur était décédée. Alors, comment concilier ces principes que prière, il y a intercesseur et simba kakaka et la réalité? Donc, n'y a-t-il pas un problème avec la souveraineté de Dieu dans ça? Ok, ça va. Gloire soit à Dieu. Amen, amen. 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 C'est un problème qui est arrivé à plusieurs. Et qui a peut-être, qui a découragé aussi plusieurs. Et qui a aussi des fois laissé plusieurs comme des étiquettes à l'église. Et qui peut tomber le col à la Congo. Mais touché, parce qu'il avait un problème. Il a cherché la face de Dieu, mais il a vu Dieu aller dans le sens contraire de la manière dont lui voulait les choses. Et ça engloutit sa foi. Plusieurs, même dans l'église, se trouvent dans cette situation. La lecture de l'exaucement de Dieu. Je l'ai dit et je l'ai redit encore. L'intercesseur réussit dans sa prière. L'exaucement de Dieu, comme je l'ai dit tantôt, appréhender l'exaucement de Dieu, des fois dépasse notre entendement. Et plusieurs personnes qui se sont trouver dans ces cas-là, peut-être c'est après une année, deux ans, c'est après plusieurs années qu'ils avaient compris que Dieu les avait dit. À ce temps-là, ils n'avaient pas compris que Dieu avait exaucé. Et même lorsque Papa Raph était en train de nous dire, poser cette préoccupation, lorsque nous avons commencé à prier, j'étais à l'église dans mon cœur. Papa, je vous rassure encore, vous avez sauvé son âme. Son âme était sauvée. Son corps est rentré. Son âme était sauvée. Et même quand je parlais, j'entre au bureau, une soeur qui me suit, il me donne les témoignages dans le même sens, pour sa propre mort. C'était sa préoccupation, mais le Seigneur a parlé à son cœur pour lui dire, ce que tu as fait, je t'ai exaucé parce que j'ai sauvé son âme. Amen. Amen. Lorsque Dieu nous exauce, nous le comprenons facilement quand Dieu prend le cheminement dans lequel nous nous sommes. Mais nous l'acceptons difficilement. Lorsque le Seigneur prend l'opposé dans le sens où nous l'avons adressé, la prière. Et c'est pourquoi je dis, je l'ai dit et je le répète encore, lorsque vous allez dans l'Exode chapitre 32, parce que nous avons consulté la vie de quatre intercesseurs, dans la vie de Moïse, nous avons tiré les choses suivantes. Nous avons vu qu'un intercesseur, c'est celui qui écoute Dieu. Un intercesseur, c'est un intime de Dieu. C'est-à-dire, il parle avec Dieu comme son intime. Et c'est là il y a le concept de l'ami. C'est-à-dire, il passe, en fait, il passe le stade d'être seulement serviteur de Dieu, mais il devient ami de Dieu. C'est ce que Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 3. Et je vous appelle plus serviteur. Maintenant, je vous appelle ami. Pourquoi je vous appelle ami? Parce que vous n'êtes pas dans le stade seulement de Bosatissou et même vous avez compris plus sur les principes du royaume. C'est-à-dire que ce sont des gens qui comprennent comment le royaume fonctionne. Comment les principes du royaume fonctionnent, comment les principes d'exaucement fonctionnent, qu'ils comprennent lorsque Dieu exauce. Nous avons vu avec Moïse que Moïse, l'intercesseur,
du modèle de Moïse, méprise ses avantages, méprise ses intérêts, parce que Dieu a promis de faire de Moïse une grande nation. Mais au même moment, Dieu demandait, disait à Moïse, je vais détruire tout ce peuple, mais toi, je vais faire de toi une grande nation. Moïse a sacrifié ses avantages. Il a sacrifié ses intérêts d'être une grande nation. Il s'est tourné pour voir les intérêts de Dieu. L'intérêt de Dieu, c'était quoi? C'était la gloire de Dieu qui devait être banni. L'intercesseur, dans tout ce qu'il fait, il cherche la gloire de Dieu. C'est-à-dire même, je prie dans ce sens. Lorsque Dieu m'amène dans cet autre sens, si c'est la gloire de Dieu, je vous dis gloire à toi, Seigneur. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pourquoi je vous dis et je confirme qu'il réussit. Et ça, c'est l'intercesseur qui peut le comprendre. Nous, chrétiens simples, c'est après un temps. On comprend. Oh, c'est tard qu'on comprend cela. Mais l'intercesseur comprend cela à ce temps-là. Il comprend que c'est Dieu qui aiguille les choses dans ce sens pour son bonheur. Lorsque Dieu met dans le cœur, c'est-à-dire il y a un complot qui se forme autour des enfants de Joseph. D'éliminer Joseph. Regarde ce que Joseph dit plus tard. Il ne dit pas, non, il dit ceci. Dieu a fait la lecture de la famine qui devait s'abattre dans le futur et il m'a envoyé. C'est le mot qu'il a utilisé. Dieu m'a fait précéder avant pour que moi j'arrive là et je vous salue. Vous comprenez? Ça, c'est l'intercesseur qui comprend. Dieu était bon parce que ce complot-là se faisait. Il était bon pour Joseph. Lorsqu'on l'a jeté dans le puits, il était toujours bon. Lorsqu'on l'a vendu, il était bon. Dans la maison de Potiphar, Dieu était bon. Dans la prison, Dieu était bon. Lorsqu'il a élevé sur le trône, il était bon. Il n'a pas changé cet élément. Amen. Amen. Et c'est pourquoi nous ne devons pas rester seulement dans les stades en fait de Dieu, selon Jean 1, verset 1. Nous avons cru Jean. Nous sommes devenus enfants de Dieu et c'est fini pour nous. La Bible nous exhorte. C'est l'apôtre Pierre qui nous dit, croissez dans la grâce, mais aussi dans la connaissance de Dieu. Paul, dans tout ce qu'il faisait, il disait, mon but était de faire quoi? De le connaître. Mon but était de le connaître. Paul, je fais des grands miracles. Paul, je pose les mains aux malades. Mais pourquoi cette charge persiste? Il entre dans la présence de Dieu. Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Le charge a disparu? Non. Mais la grâce de Dieu lui suffit. Et il a vécu comme ça. Dans l'entretemps, c'était la puissance de Dieu qui s'est déversée d'une manière terrible. Amen. 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 Nous devons monter. Nous ne devons pas être seulement les modèles des enfants de Dieu qui comprennent que c'était les doigts de Dieu plus tard. Mais qui les comprennent lorsque ça se passe. C'est-à-dire lorsque on entre. Vous savez, Élie à un certain moment, il était découragé. Il se voyait aussi seul. Il se croyait aussi seul. Quand il est entré dans la présence de Dieu, le Seigneur lui a dit, il y a une réserve que je n'ai pas, qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Amen. Amen. Et notre Dieu, vous savez, souvent nous nous laissons dans le découragement seulement. Notre Dieu parle.
Lorsque nous nous approchons de lui, Seigneur, je t'ai demandé de prier, pourquoi tu m'as donné le catch. Vous comprenez? Il va nous révéler pourquoi je t'ai donné le souliers. Pourquoi je préférais ne pas te donner les souliers à ce temps. Amen. C'est pourquoi nous apprenons, bien aimé, tous ces principes. Pour avancer encore. Pour tenir ce modèle-là. Il réussissait toujours lorsqu'il alors ce n'était pas un extraterrestre. Seigneur, comment Moïse a fait? Tu as arrêté quelque chose. Tu as pris une décision. Comment Moïse faisait pour te faire abandonner ta décision? Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est dans cette dimension-là que je veux nous amener. Comment est-on fait pour ne pas rater le faussement devant toi? Pourquoi nous nous ratons toujours? C'est là où je veux vous amener. C'est là où je veux amener tout un chacun. Amen. Amen. Comment Daniel a fait? Comment Néhémie a fait? Savez? À la lecture humaine, lorsqu'on voit Jésus-Christ sur la croix, l'humanité de l'homme avait dit quoi? Il a échoué. C'était l'échec. Et pas seulement les observateurs, encore des disciples. Je parle des disciples de Maïs. Regardez leur conversation. Regardez comment ils étaient découragés. Ils avaient placé leur espérance. Et voilà. Voilà. Vous comprenez? Tu n'es pas la première personne à connaître, à se confronter contre un problème pareil. Mais mon souci, parce que ces gens étaient des hommes faits de chair et de sang. Ce n'étaient pas des anges. Ils ont réussi leur vie d'intercession. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas moi? Amen. Amen. Dans la vie d'Abraham, nous avons vu que un intercesseur doit se faire. Il doit être ami de Dieu. L'intercesseur ne rate pas parce qu'il est ami de Dieu. Voyez Dieu dans Genèse chapitre 8, 18, dans la difficulté de Genèse 18. Cacherai-je à Abraham? Cacherai-je à mon ami? C'est-à-dire, Dieu, des fois, il devient à une forme d'impossibilité de cacher à son ami. Parce que l'intercesseur est bien ami de Dieu. Tu as la difficulté de lui cacher de Dieu. Parce qu'en fait, c'est mon fils qu'il avait réservé au prophète. Pour aller aller Ézéchiel chapitre 22. Ça dit parce que les prophètes ont échoué. Parce que les sacrificateurs ont échoué. Parce que les chefs de peuple ont échoué. C'est comme ça Dieu a dit, je cherche un homme. Ça dit, autrement dit, Dieu en trouvant cet homme, il allait le remplir des capacités des prophètes, le remplir des capacités des sacrificateurs, et le remplir des capacités des chefs de peuple. Est-ce que je me fais comprendre? La commission cela. Amen. Amen.
Dans l'intercesseur se trouvent ses capacités. Et c'est comme ça que je vous ai dit le dimanche passé. Dieu, il donne gratuitement les dons spirituels à l'intercesseur. Et l'intercesseur, c'est parmi les gens chez qui se manifestent facilement les dons du Saint-Esprit. Amen. Comment comprendre et saisir les fardeaux pour l'intercesseur? Comment comprendre que Dieu nous appelle à intercéder? Je vais mentionner un point en ce matin et nous allons prier. Vous savez, Dieu utilise plusieurs canaux pour déposer les fardeaux dans les cœurs de l'intercesseur. La Bible dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et un des canaux que Dieu utilise, c'est sa parole. Amen. Amen. Daniel nous dit, je vis par les livres. D'ailleurs, lui n'a moni yango na mnandela mkana. C'est la parole de Dieu qui est le secret de l'épanouissement de l'homme. C'est la parole de Dieu qui contient les plans ou les desseins pour la vie de tout un chacun. Cela se trouve dans la parole de Dieu. Et Dieu cherche un homme. Un homme qui médite sa parole. Cet homme qui médite sa parole. Cet homme qui s'imprègne de sa parole. C'est par sa parole que Dieu lui communique les choses. C'est par la parole de Dieu que tu peux faire la lecture des temps et des circonstances. C'est par la parole de Dieu que tu sauras c'est le moment d'agir ou c'est le moment d'attendre. C'est le moment de patienter un peu. La parole de Dieu va te montrer, c'est maintenant il faut agir. Même en parlant, tu ne vois rien. Mais maintenant il faut agir. C'est la parole qui te montre. Dieu s'étonne de ce que personne n'intercède. Il a besoin de l'homme dans lequel il va mettre les capacités des prophètes. Ça veut dire les porte-paroles de Dieu. Celui qui parle au peuple de Dieu. Dans lequel Dieu va mettre la capacité de sacrificateur. Celui qui a la loi de Dieu. Qui sert la loi de Dieu dans son cœur. Celui qui parle à Dieu au nom du peuple. Dans lequel il va mettre les capacités même de l'autorité du pays. Celui qui fait respecter la loi de Dieu. C'est par la parole que Dieu dépose les fardeaux dans le cœur de l'intercesseur. C'est par la parole que Dieu a déposé les fardeaux dans le cœur de Daniel. Tout intercesseur a le devoir de méditer, de déposer la parole de Dieu, de s'affectionner à la parole de Dieu pour découvrir la volonté de Dieu, pour découvrir le temps de Dieu, pour découvrir le désir de Dieu, pour découvrir vers quelle vague le Seigneur veut t'amener. Toutes les richesses du monde sont cachées dans la parole de Dieu. Ésaïe 34, verset 16.
La Bible nous dit, consultez le livre de l'Éternel. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Les enfants de Dieu sont devenus paresseux. C'est ce nom, intercesseur de Tiquette, sont devenus paresseux. Est-ce que vous lisez la parole de Dieu? Est-ce que vous consultez la parole de Dieu? Comment vous allez lire les temps et les signes de Dieu si vous n'êtes pas averti par la parole de Dieu? Comment vous allez comprendre vers là où vous vous dirigez si vous n'avez pas de boussole, bien-aimé? La parole de Dieu est notre boussole. Notre vie, c'est lui qui nous montre. De quel côté nous devons aller. Dans Jérémie chapitre 25. Je commence au verset 8. La Bible nous dit ceci. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Parce que vous n'avez point écouté mes paroles. J'en vais rechercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel. Et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je les ferai venir contre ce pays et contre ses habitants et contre toutes ces nations alentour, afin de les dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, des ruines éternelles. Je ferai cesser parmi eux des cris de jouissance et des cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, les bruits de la mêle et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Pendant combien? Pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leur iniquité. Je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Je ferai venir sur ce pays toutes les choses que j'ai annoncées sur lui. Tout ce qui est écrit dans le livre. Tout ce qui est écrit où? Dans le livre. Ce que Jérémie a prophétisé sur toutes les nations. Car des nations puissantes et des grands rois les asserviront et aussi. Et je les rendrai selon les œuvres et l'ouvrage de leurs mains. Jérémie 29, verset 10. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. Je ferai quoi? Je me souviendrai de vous après combien de temps? 70 ans. Et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole. Et je vous ramènerai dans ces lieux. Amen. C'est la parole de l'Éternel. Jérémie, prophète de l'Éternel, depuis son enfance, plus de 40 ans de ministère, pas de conversion. Pas de conversion. Personne ne l'écoutait. Personne. Mais il parle de la part de Dieu. Les peuples sombrent toujours dans le mal. Ils faisaient toujours ce qui ne plaît pas au Seigneur. Ils clochaient des deux côtés. Ils servaient le mal. Le Seigneur a annoncé la repentance, mais le peuple ne voulait pas. Et le Seigneur a dit: quand vous persistez dans votre voie, je vous enverrai en servitude. Une nation puissante va s'élever. Babylone, avec Nebuchadnezzar, il va vous prendre en otage.
Et on va détruire à Jérusalem. Qui serait amené en captivité. Et dans son amour, il a fixé ses temps à 70 ans. Il dit après 70 ans, je me souviendrai de vous et vous ramènerai. Maintenant, le problème, c'est à quel niveau? Est-ce que la promesse de Dieu était fausse? Non. La parole de Dieu est oui et amen. Amen. Mais le peuple était en exil. Daniel avec ses amis était encore adolescent, je vous en ai Daniel, moins de 20 ans. Là, lorsque Daniel prie, c'est-à-dire il a pratiquement plus de 80 ans. Ah ouais, bon de la commune. Parce qu'ils ont déjà, il y a 70 ans qui se sont écoulés. 70 ans et au mythique cas. Lorsque j'enseignais sur l'aperçu sur l'Ancien Testament, pour ceux qui ont assisté à ce séminaire, je vous ai parlé de l'Ancien Testament de Genèse jusqu'à Malachie. Ancien Testament, Genèse, on a fait un survol. Tous ceux qui ont assisté à ces enseignements, ils ont une idée sur l'Ancien Testament. Ancien Testament. Lorsque Daniel est en train de prier, 70 ans s'étaient déjà écoulés. C'est-à-dire qu'il y avait maintenant un dépassement. Et les cas qui m'y collaient, ils ont fait un dépassement de moins 5 années. La promesse de Dieu était là. Et les cas ensemble de la Kiwana. Après 70 ans, je vais me souvenir. Il y avait une nécessité qu'il y ait quelqu'un, un intercesseur, pour réactiver cette promesse. Et il y a plusieurs promesses de Dieu dans vos vies qui s'endorment. Et ils ont Dieu faux. C'est parce que vous êtes tombé aussi dans le sommeil et vous n'activez pas la promesse de Dieu. Daniel, dans sa méditation, Daniel, il était dans les livres de Jérémie, les extraits que je vous ai dit. On peut ajouter encore. Il a regardé. Mais depuis qu'il est aux ans existe, ça fait déjà plus de 70 ans. 70 ans se sont écoulés. Oh. 70 ans. Mais Dieu avait dit, après 70 ans, je veux me souvenir de vous. Comment? Ils ont les kakakabo. Vous comprenez? Dieu avait gravé une promesse. Mais comment nous ne sommes pas bénéficiaires de cette promesse? Pourquoi? Quelle est notre raison encore ici dans une terre étrangère? Quelle est notre raison encore dans la servitude? Alors il y a une promesse déclarée de la part du Seigneur. Et le timing de la servitude devait prendre 70 ans. Après 70 ans, vous devez vous ramener. Mais pourquoi nous sommes en train de dépasser? Parce qu'il y a un activateur de la promesse de Dieu. Autrement dit, humainement parlant, si Daniel n'était pas tombé dans sa méditation, sur cet extrait, la parole de Dieu dans la Bible de Jérémie, Daniel va continuer toujours la servitude. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais alors qu'il y a déjà une parole libératrice qui a déjà été libérée, et lorsque Daniel nous dit, je vis par les livres, il va s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après les nombres d'années que l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Moi, je vis cela. C'est-à-dire, lorsque il est tombé dans sa méditation, dans sa texte de la parole de Dieu, Dieu a dit, voilà l'homme que
que je cherchais. Il a déposé les fardeaux maintenant dans les cœurs de Daniel. Il y a Daniel. Et Daniel, je crois, c'était, ça dit comme tout le monde ce matin, tant au Tanyango, à Kangi, à Kitissi. Et la Bible dit quoi? Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en gênant pendant le sac et la cendre. Il a fait un programme de prière. Alors, le lot de sa journée dimanche. Bon, non, la gêne n'a pas mercredi. Non, non. Il était en train de méditer. Quand il est tombé dans cette promesse-là, il a mis la vie de côté. Il a dit, j'ai tourné ma face vers le Seigneur. Et il a commencé son jeûne, sa prière. Il a commencé à supplier le Seigneur. Seigneur, ta parole dit ceci. Ta parole me dit ceci. Tu as promis pour moi, Seigneur. Tu as dit que le chèque n'est pas bon. Tu m'as craigné pour réussir. C'est à ce temps-là où les choses sont activées. Lorsqu'elle tient comme soubassement la parole, la promesse. Et c'est là où il y a la réussite de l'intercesseur. Parce qu'il ne fonde pas son intercession à l'air. Son intercession est fondée sur du concret, sur la promesse. Une déclaration de l'Éternel. Seigneur, il est temps. C'est comme en ce matin, vous pouvez lui dire, Seigneur, il est temps. Mais vous le faites sur quel soubassement? Quel est votre soubassement? Quel est votre soubassement? C'est pourquoi il y a des ratés dans nos prières. Parce qu'on n'a pas de soubassement. Qu'est-ce qui justifie, qui appuie? Qui appuie? Qu'est-ce qui vous soutient? Dans Hébreux chapitre 1er verset 3, la Bible nous dit, le Seigneur soutient toutes choses par sa parole, même votre intercession, Dieu veut le soutenir par sa parole. La parole qui est ordinaire, la parole peut-être qui est lettre, mais lorsqu'elle prend vie, elle apporte l'exaucement. La parole qui est logos, lorsqu'elle prend vie, lorsque cette parole revient rême, devient rême pour votre vie, c'est là où toute chose est déclenchée. C'est là où tout s'active dans votre vie. Dans votre vie. C'est pourquoi vous voyez, je vous encourage à acheter des Bibles. Achetez des Bibles. C'est dans les Bibles, dans votre Bible là, que vous aurez une histoire avec votre Dieu. Vous aurez des passages colorés. Vous aurez des passages soulignés avec les stylos rouge, bleu, noir. Vous aurez des écrits. Dans votre Bible là, vous aurez des écrits. Parce que là, il y aura l'histoire d'un soubassement de ce qui produit le résultat, de ce qui produit l'exaucement. Il a fallu un déclencheur. La promesse de Dieu était là 70 ans, mais ils étaient en train d'entrer dans
en 75 ans. Et il a vu, il a dit non, on ne peut pas laisser cette situation. Seigneur, je m'appuie sur ta parole. Ça dit, autrement dit, si moi j'échoue, ce n'est pas moi qui échoue, c'est ta parole. C'est et parce que Dieu honore sa parole. Parce que Dieu honore sa parole. Vous aurez les bénéfices de l'honneur à la parole qu'il boit. À sa parole qu'il boit. Avez-vous une parole en ce matin? Avez-vous une promesse en ce matin sur laquelle vous pouvez vous tenir et avoir les résultats? Daniel a eu les résultats. Daniel a qui est l'ange Gabriel lui a dit, lorsque tu as commencé à l'ange Gabriel, prier, sa prière a pris du temps. Mais lorsque il avait commencé, une parole était sortie. C'était, ils étaient en harmonie, en concordance. Il est dans la volonté de Dieu. Il était dans le plan de Dieu. Il était dans la souveraineté de Dieu. Il était là. Lorsque il s'est engagé pour intercéder pour l'accomplissement de cette promesse, il était en dehors de la volonté de Dieu. Dieu cherchait un homme pour se souvenir qu'il a fait une promesse et que cette promesse devait s'accomplir. Il avait besoin de cet homme qui lui fait confiance. Et Dieu a commencé à faire des choses. Il a commencé à réveiller le cœur de leurs païens. Il réveilla le cœur de Cyrus. Il a réveillé. Ça dit partout où, dans toutes les provinces où les enfants d'Israël. Dieu avait mis à contribution les gouverneurs païens de ces provinces. De ces provinces. Pour dire rentrez, rentrez, rentrez. Vous devez aller reconstruire votre pays. Vous devez rentrer, vous devez rentrer. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui a vu dans les livres. Et il s'est tenu sur cette promesse. Il a réclamé l'accomplissement. Et cela est venu. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever en ce matin? Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter Moïa Moli?